toute une histoire. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très excitant. Ce soir, on vend du merchandise, ce soir. On a des vinyles et CD de... Ok, j'ai fait deux albums. Un album, ça fait quelques années, qui s'appelle Northern Stars. C'est toutes des chansons canadiennes. Mais récemment, j'ai fait un autre album qui s'appelle Road Trip Elegies. Et ça, c'était un concert live que j'ai fait juste avant la pandémie à Los Angeles. Et c'est beaucoup de chansons que j'adore. En tout cas, mais ces deux albums, on les vend seulement au spectacle. Alors, ils sont seulement disponibles ici ce soir au Cité de la Musique. Et alors, oui, il y a vinyl et il y a aussi... CD. J'ai des t-shirts de Unfollow the Rules, Out of the Game, et des t-shirts originales de Want One pour le 20e anniversaire de Want One. Et il faut que je dise qu'on est arrivé ici, mon mari et moi, Yorn qui est ici, et notre petit chien Cité. Et on avait beaucoup de choses à porter. Surtout une valise très très lourde, très très lourde. Et j'ai même frappé mon jambe un peu. Et alors je vous supplie, s'il vous plaît, aidez mes voyages futurs. Parce que c'est avec le chien, le petit chien, et la guitare, et on veut se débarrasser quoi de cette valise infernale. Merci. Répondu.
j'écris pour elle. Et j'ai vraiment eu l'idée comme, oh, elle peut être dans la vidéo et tout ça, elle va vraiment aimer ça. Ok. Here we go. Ok, 1, 2. 1, 2, 3, 4. J'étais 12 ans quand j'ai commencé, et
Et aussi, quand j'ai fait mon premier album, c'était pour un label qui s'appelait DreamWorks, comme le studio de film. Et c'était vraiment une énorme occasion, quoi. Alors, il y avait beaucoup d'énergie autour de ça. Et il y avait beaucoup d'années où j'avais cette sensation d'être comme le star, le plus beau et tout ça, le plus talentueux, blablabla. En tout cas, mais à un certain point, ça m'a vraiment frappé que j'étais dans un autre stage de ma vie. Et j'écris cette chanson. And look at you, Soccer's méchant. Soccer, mais c'est un peu... Soccer, oui, sont des... Soccer, c'est pas des méchants, c'est des fools, c'est des... Des fous. Oui, non, pas des faux, non. Non, des idiots, un peu, comme... Qui rendent pas compte, ceux qui rendent pas compte. Des canards? I don't know. Quelque chose comme ça. C'est pas la même langue, hein, en anglais et français. mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit cette chanson, puis j'ai fait après l'album, mais l'album elle-même, c'était produit par Mark Ronson, qui à l'époque, qui est encore très comme groovy et très connu par les jeunes, et tout ça. Alors j'avais vraiment... Pour moi, je pensais que j'étais comme super intelligent et super ironique, quoi. Je sais pas, de faire mon grand single de retour out of the game, mais avec Ronson, alors c'était un peu blague, comme je suis out of the game, mais la chanson est comme énorme, et tout le monde, c'est pas vrai, quoi. Mais aussitôt que ça sortit, c'était, il n'y a rien qui s'est passé. Les gens ont dit, out of the game, ok, on écoute quelque chose d'autre. Alors, c'était drôle. Mais, oui. Il faut aussi dire que durant cette période, il y avait beaucoup de fêtes et j'étais avec Mark Ronson et j'ai tombé en amour avec Mark Ronson parce que heureusement il est straight parce que mon mari c'est ça et c'est, je l'ai avoué, mon mari, j'ai tombé en amour avec Mark Ronson et, alors mais c'est il m'a pas voulu encore. So there we go. Here we go. On va continuer avec des chansons d'amour. Une chanson d'amour, mais c'est pas d'amour, c'est comme ce soir. C'est contre contempt. Oui, c'est quoi contre contempt en français? Méprise, non? Non. Mépris. Oui? Oh wow! J'ai fait ça moi-même. Mépris. Wow. Et résistance, mépris et résistance. Alors, ça c'est une chanson de... J'ai pensé, ça c'est aussi... C'est seulement aujourd'hui que j'ai pensé de faire ça parce que j'ai rendu compte que j'ai pas de chanson de Judy. J'ai pas de Judy chanson, alors j'ai pensé que ça serait bien de faire une chanson de Judy. Oui. Et ça c'est écrit par Noel Coward, alors c'est très amer. Charmant, amer. Mon charmant amer. Somebody splendid, really.
tell